On reprenait son souffle ce vendredi sur les marchés, une journée sans direction, tout à fait normale après les derniers pics de ces derniers jours. Les records battus mercredi par le Dow Jones et le S&P 500 ici à Wall Street. Et puis le plus haut touché depuis 5 ans par le CAC 40 hier, un CAC 40 qui aujourd'hui eh bien, oscillait pas loin de l'équilibre, un peu plus d'une heure de la clôture de la Bourse de Paris. Il affichait une hausse de 0,08% à 4209 points. Du côté des sociétés, c'est ArcelorMittal qui accusait le plus le coup ce vendredi, à l'image en fait de l'ensemble du secteur sidérurgique, un secteur européen, le secteur européen le moins en forme en cette fin de semaine. ArcelorMittal qui reculait de 2,49% à 10,59 €. A l'inverse, le titre d'Alcatel était lui extrêmement recherché, une hausse de 2,40% à 2,60 €, une hausse qui veut en fait récompenser le discours convaincant de Michel Combes, le patron d'Alcatel, qui s'est longuement expliqué sur la restructuration de son entreprise Alcatel, dont l'objectif a par ailleurs été rehaussé par Kepler Chevreux. Pour terminer, un petit mot du côté des devises, avec un euro qui se porte toujours très bien. Il s'échange actuellement contre 1 $ 35,23.